Regardez les aventures de Franco, s'il vous plaît. Abonnez-vous et partagez au maximum. Ok. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Alléluia. Amen. Amen. Seul dit ça. Est-ce qu'on prend vraiment le contenu? Est-ce que vous comprenez vraiment ce que le texte est en train de dire? Non, pasteur. Pasteur, moi, je ne comprends pas. Oui, je comprends. Oui. C'est-à-dire que Jésus mangeait son plat avec ses disciples. Non. Le texte nous explique, nous dit quoi? Quand vous avez à manger, oui. Donnez aux gens. Ah, ok, ok, ok. Est-ce que vous comprenez le texte? J'ai compris. Quand il y a pour un, il y a pour tous. Est-ce que vous comprenez le texte? C'est vrai, pasteur. Eh, sœur Laetitia. C'est vrai. Alléluia. Amen. Quand on, le texte nous explique donc quand on a déjà préparé, c'est gâté. Uh-huh. Ça veut dire que quand vous avez donner aux gens qui n'ont pas. Donc Dieu demande de partager. Voilà. Partager. Faut avoir l'esprit de partage. Du partage. L'esprit du partage. Et surtout partager avec joie. Hein? Donner à ceux qui n'en ont pas. Donner à ceux qui n'en ont pas. Donner à ceux qui ont faim. Donner à ceux qui ont faim. Qui a mangé? Est-ce que vous comprenez? Je comprends pas. Hein? Il faut avoir un cœur large. Alléluia. Amen. Voilà. On va donc poursuivre. Il prie. Pasteur, alors attends un peu. La mère, depuis tout à l'heure que tu as dit que la mamie est bientôt prête là, tu sais, pasteur aussi parle même comme ça. Les piles sont déjà finies. Les batteries sont déchargées. Comment ça? La batterie est presque faible. Regardez ses yeux. C'est vrai. Regardez dedans, il y a le vide. C'est vrai. Les batteries sont faibles. C'est vrai. Elle a raison, c'est-à-dire qu'une voiture ne peut pas marcher sans carburant. Quand il parle beaucoup comme ça, il faut qu'il charge. Oui, ma mère, ça ne va vraiment pas. Je faisais seulement le modèle. Moi-même, là, j'ai plus dans les réserves seulement depuis que j'ai hâte. Depuis 2 heures qu'on est là pour la prédication. Maman, j'ai lu presque toute la Bible. Mais vous êtes seulement là, vous nous regardez comme si. Pardon, il faut lui donner la nourriture. C'est juste que quand on parle de la parole de Dieu, on est tellement concentré que on oublie parfois qu'il faut manger. C'est qu'elle parle. Ma soeur, c'est la manger. Batterie vide là, il dit qu'il veut manger. Je puisais dans les restes. Attends, pasteur, attends. La machine ne peut pas marcher sans carburant. Attendez un peu, je vais pas la manger. Hey, yeah. Il a mangé. Non, tu sais, maman. Oui, papa. La nourriture, c'est rien, hein. Hey, oui, oui. Que le travail que vous faites là est petit. C'est après. Quand quelqu'un connaît Jésus, il diminue ses péchés. Oui. Oh, quand il vit dans les ténèbres, il ne doit que pécher. Mais il faut donner ta vie en Christ. Très bon. Non, il faut servir Dieu. Dieu est bon. Il est merveilleux. Oui. La Dieu, main, il faut donner ta vie à Dieu. Donne ta vie à Christ. Désormais. Maman. Le goût de ça. Pasteur. C'est le plantain ici. Je sais que c'est même pas mort. Mangeons son main. Dans le moule. Pasteur, voici les plats. Donne-moi le gros plat, maman. Ma mère. Pourquoi comment? La mère, on commence par les femmes, non? Non, hey, donne-moi le gros plat. Ok. Hey, tu vas te chasser derrière moi. Pourquoi?
tu es ma soeur en Christ, toi tu viens discuter, c'est moi le pasteur. Vous avez fait quelque chose là qui m'énerve même. C'est comme si Jésus pénétrait déjà sur mon mal qui est souvent ici. Et quand vous arrêtez déjà pour la nourriture là, il va encore revenir. Oui, la mère, dès qu'il va finir de manger là, c'est parti pour partir. Dès que à peine fini, donc quand ma nourriture sera qu'elle finit, ton mal, tu ne vas plus rien ressentir. Amen. Le mal là va partir. Maman, la prédication est bien. La mère, c'est le plantain ici. C'est le plantain, monsieur. Non, c'est le macabon. Je n'ai jamais mangé le jassier. Bon appétit, pasteur. Bon. Bonjour, maman. La mère, je me souhaite aussi bon appétit. Bon appétit, ma soeur. Merci, la mère. La mère, c'est bon, hein. La mère, c'est toi qui prépare bien comme ça. C'est bien. Je suis sûre que ton mari est heureux. Du coup, mari a l'air petite. Du coup, du coup, la mère. Non, mais elle va la fuir ou la fuir. Parce que ça dépend de toi. La mère, il faut venir à l'église. Le dimanche matin. Il faut chanter un peu pour accompagner. Jésus aime quand on donne beaucoup. Jésus aime quand on emballe même d'autres aussi. Oh. Parce que je vais emballer l'autre. Ça oui, emballe. Jésus aime quand on donne tant. La mère, c'est comme si c'est calé ici. Il n'y a pas l'eau. Je viens avec. Il y a une bière pour le pasteur. Pour les fidèles vont boire l'eau. La mère, c'est très glacé. Non, même si je le donne glacé, tout dans la tête. On boit. Pasteur, c'est bon. Mais ça ressemble au mango, mais ce n'est pas le mango. Ah, pasteur, tu vas les légumes, tu dis que c'est. Ma mère, c'est le mango chinois ici. Ouais, c'est le mango du camé. C'est le mango du camé, hein. La mère, ça m'étouffe. C'est bon. La mère, pardon, la bière. Mec, de. Pasteur, il n'y a jamais mangé le jardin. Ouais. Maman. La mère! Il y a les plastiques là dans le panier. Il faut venir avec l'eau. Voici l'eau. Merci la mère. La mère, ton plantain, c'est costaud, hein? La mère. Hey. Ça va m'étouffer. La mère. Ça met une bière. La mère, c'est comme si on cogne à ta porte. Hein? C'est qui? Les gens du quartier s'y aiment souvent quand on mange pour qu'ils viennent. Je dis que. On ne mange pas les troubles d'appétit, concentrez-vous dans vos plats. Marco, c'est toi. Depuis que je cogne là. Ouais, laisse. Je suis emportée par la parole de Dieu. Parole de Dieu? Oui. Bon, je suis venue chercher l'argent de la réunion. Ouais. Et déjà là, si toi tu ne parles pas, donne-moi l'argent de ta cotisation. Pardon, je dois les cotiser pour toi. Il y a les hommes de Dieu à la maison. Hommes de Dieu? Oui. Ils sortent d'où? Je ne sais pas. Ce sont les qui? Il y a un monsieur et une dame qui sont arrivés là. Ils disent qu'ils prêchent la parole de Dieu. Je suis en train d'écouter. Un monsieur et une dame? Oui. C'est quelle église? Ils m'ont parlé de l'église... Quoi? Franco. Église Franco. Un peu, je vais goûter. Prends-le mon argent. Ouais, attends d'abord, laisse même la cotisation, là, laisse tout. Je viens, j'arrive. Ok, t'attends. Pardon, faites vite, vous nous prêchez l'évangile là maintenant. Ouais. Non, non, je pas. Même ton mal que tu sais, de que ton pied te fait mal là. Dès qu'il va finir de manger, ton mal va partir. Amen. Que le Seigneur. Ce n'est pas un travail qui est facile. Maman. La mère, hey. Il faut venir à l'église. L'église, c'est quand? Chaque dimanche matin. Au Carrefour là-bas. L'église Franco. Je fais la délivrance par le téléphone. Faut même donner le repas là sans goûter. Il fallait prendre la cuillère pour goûter un peu. Non, la mère, laisse. Non, non, non. Jésus est dans sa nourriture. Amen. On
vous a dit d'appeler tous les gens du quartier pour la prédication? Non, vous avez laissé les gens au quartier, ils viennent faire le désordre comme ça quand même. Regarde-moi, pasteur, moi je n'ai pas compris ça. Ah, ah, il a en parlé, c'est qu'on a juste oublié, pasteur. Non, moi je n'ai pas compris. Maman, venez vous asseoir. Donc là, venez vous asseoir. Ah. Vous ne me reconnaissez pas. D'ailleurs. Maman. Donne d'abord. Donne. Tu veux manger? C'est quoi? Il y a quoi? Ma copine, c'est quoi? Mmh. Ah, mais c'est comme ça qu'on fait ici chez vous. Moi-même, je ne comprends rien. Ouais, le trouble d'appétit n'est pas bon, non, en face. Alors, dans le jeu, quoi, je vais m'étouffer. Ah. Ah, mais est-ce qu'on se compose comme ça? On n'a pas fini de manger. Non, les blagues, la mère, tout ça qu'on n'a pas chez quelqu'un. On est venu, on a eu avec la barrière, on croyait qu'on avait la sécurité. Pourquoi le démon se balade comme ça là? Maman, le vrai démon alors. Une belle fille comme ça là. Ouais, voisin, il y a quoi? Il y a quoi, Marco? Rouge. Vous ne me connaissez pas. C'est moi qui habite là-haut. En haut là. C'est moi qui habite en haut là. Vous ne me reconnaissez pas toujours. Voisin, il y a quoi? Ouais, attends. Le troisième est là. Donc il y a un troisième, troisième quoi? Pasto, c'est comme si je reconnais la femme si quelque part. Mais je ne sais pas où. Tu sais comment je démange les gens que... On va me connaître tous les gens là, comment? Ça a cuit. C'est le cœur. Qui est le pasteur parmi les deux-ci? Je dis, qui est le pasteur parmi les deux-ci? Qui? Non, grand, attends. Tu demandes au pasteur. Tu vois quelqu'un avec les Bibles, tu lui demandes encore. Hey! Pasteur, qui est le pasteur parmi vous? Arrête les Bibles. Qui est le pasteur parmi vous deux? C'est lui. Donc c'est toi le pasteur. C'est toi le pasteur. Hey! Toi tu parles même de la tête d'un pasteur. Ça c'est le visage d'une fille qui sait Dieu, d'une sœur en Christ. Regardez le make-up, c'est le make-up d'une fille qui sait Dieu ici là. Regardez son habillement, elle sait dehors. Elle sait Dieu. Je n'avais même pas. On dirait qu'elle est là dans une boîte de nuit. Merci. Donc c'est comme ça là que vous passez tout le temps à naquer, hein? Un tuyau d'anaké. Attends un peu. Ils étaient trois. Le troisième est où? Le troisième est où? Finalement, hein, vous voulez que je m'énerve? Donc il y a un troisième, pasteur. Il est souffrant. Vous voulez, vous Dirik, c'est le pasteur ici là. Non, grand, le problème c'est que c'est elle qui m'a donné l'idée. C'est elle qui m'a donné l'idée. Elle, c'est Laetitia, c'est ma copine. Maman. Donc, on ne fait rien au quartier, on souffre comme ça là, c'est où? Elle a donné l'idée qu'on peut. On peut. Qui faire pour manger. Ce n'est pas moi, la mère, c'est comme ça que les innocents sont venus à côté. Eh, ferme ta bouche. Arrête ça, arrête. Tu que. Ce n'est pas moi. Finalement, qui de vous dit la vérité? Je dis, grand. C'est lui qui est français. Non, vous ne connaissez pas rien dans la parole de Dieu. Non, vrai, on ne connaît pas. C'est son nom. Ce sont ses bibles. Elle a pris sa tête. Ce sont les bibles de ta mère. Oh, non, ce sont les bibles de ta mère, non? Je connais même ça ici là. Ce sont les bibles de sa mère. Attends, voisin, attends
attends, je t'explique. Attends d'abord, je t'explique. Hein? Tu m'expliques à la fin. Il y a de cela quelques jours. Merde. Ces mêmes gens-ci sont arrivés chez moi. M'ont trouvé en train de préparer le poisson. Ils m'ont dit, nous sommes la nouvelle église franco, c'est monté, c'est descendu. Moi aussi, entendant parler de Dieu, j'ai accepté. Ils ont commencé à faire leur cinéma. Les gars ont commencé à manger. Mais avant la fin de la prière. Maintenant, ils me disent qu'ils veulent boire de l'eau. Quand j'entre à la maison, quand je reviens, je trouve le sol. Les gens sont partis. C'est là que j'ai compris que c'était des escrocs. Donc là, je les ai vus tout à l'heure, là, chez toi. Ils ont pris quoi? L'argent de la dernière fois, c'est eux. Non, ils ne volent pas l'argent. Ils mangent seulement la nourriture. Donc, ils partent dans les escrocs. Attends. Je suis rentré le jour. Et la bénédiction qu'on donne souvent, que bénit les mains qui ont préparé ces repas-là, ils sont partis sans que bénit. Qui me dépasse dans ça. Aujourd'hui. Vous savez quoi? J'ai dit que Jésus pénétrait déjà, il va manger d'abord. Cherchons-les au quartier, voisin à nous. C'est ce qu'ils ne sont pas. Maman, il y a la matière derrière la porte. Non, laisse la matière, on n'a pas besoin. Avancez, on va les prendre. On va faire le feu. Merci, merci encore mes frères et sœurs, merci mes fans d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification les amis pour recevoir les notifications des prochains films. Merci beaucoup, merci pour le soutien. Je vous attends en commentaire, on va discuter un peu.